Vous voulez la vérité? J'ai quasiment pas joué de la semaine à Field de Snow. J'ai été occupé, vous avez dû le voir, il y a eu quelques vidéos sur des jeux pas gratuits qu'on popait sur la chaîne. Pour qui? Pourquoi? Bah parce que je commence à recevoir des clés de la part des développeurs. J'ai mis un pied dans la cour des grands, ça y est, enfin, ça commence. Donc, et ben voilà, je dois m'occuper de tout ça, mais ne vous inquiétez pas, la chaîne elle est ce qu'elle est. Des jeux gratuits, je continuerai à vous en proposer. Donc, on en était où, nous, dans notre histoire de Field de Snow avec notre petit bonhomme de neige? Et ben, j'ai quasiment pas avancé, j'avais construit une maison avec vous dans le biome de Fer. On était à proximité de Ferville, on était même carrément à Ferville. Je suis dans la galère, hein. J'ai pas grand chose avec moi, je crois que j'ai plus d'armure de fer, plus d'épée, plus de bouclier. Ou alors l'usure est déjà bien entamée, on va aller voir ça. Hop, joueur solo, ça va se lancer, normalement, voilà, il devrait pas tarder à faire jour au niveau de l'inventaire. Oui, bah voilà, c'est la misère, j'ai plus grand chose, donc il va falloir que je me ressource. Bon, au pire, je pourrais toujours me téléporter. Le point de spawn, il est établi ici, dans mes coffres. J'ai quelques arbustes. Ah oui, alors j'ai construit des parterres. Il paraît que ça pousse plus vite. Les plantes là-dedans, il fait jour, on va aller faire un tour. Et on va aller ramasser du fer parce qu'il va nous en falloir pour fabriquer des outils, du bois aussi. Alors attention, alors, si je peux choper des recettes encore... Eh ben on va pas se priver. Tac 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 tac, il vient là, petite bête. Alors est-ce que ça pourrait m'être utile pour alimenter ma lampe à huile? Ce serait intéressant de voir ça. D'ailleurs, oh bah attends, il m'a pas vu. Si on peut éviter les ennuis dès le début du jeu, on va les éviter. Malgré que ça me donnerait peut-être quelques recipes. Mais bon, pour le moment, on va jouer la carte de la prudence et continuer de farmer là, hop. C'est vrai que j'avais construit une hache, j'avais plus de hache à un moment donné. Alors, du fer, du silex aussi. Alors, attendez, parce que là, la bestiole, on la voit. Donc, alors déjà, plus de pioche, ça commence bien, on va devoir s'en faire une nouvelle. Et j'ai pas... Oh là là, j'ai pas de petit bâton. J'ai pas de brindille. Alors, attendez, parce que là, il va falloir en trouver quand même quelques-unes. Tiens, toi, viens là, que je t'éclate. Toc, donne-moi des trucs. Là-haut, il y a de la brindille. Il y a des arbres à écrou. Et ça, le tantal, là. J'ai pas réussi à en choper. Tiens, attends. Tu la vois, la bestiole, là? Attends, je prends des graines. On va esquiver la vilaine bête. Là, hop. On voulait quoi? Une pioche. Est-ce que là, je peux en fabriquer une? Est-ce que par hasard... Ouais, bah, ta, 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 ta. Attends, viens là, toi. Voilà, je t'éclate. Je t'éclate. Et... il va me falloir une nouvelle épée. Voilà, faut le tuer. Attends, vas-y, je vais me protéger. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Et il m'a pas donné une recette, par contre. On est dans la misère. Donc, j'avais dit une pioche. Et non, j'ai pas assez de brindilles. Il m'en faut une dernière. Alors, attends, parce que lui, on l'a vu. Alors, il y a des campements aussi, hein. Il y a des campements sur la carte. Qu'est-ce que j'ai vu? Regardez, là, il y a une espèce de structure ici. Il y a aussi un campement. Voilà, là. Ça, c'est les zones bêtes, là, avec les petites bestioles. Et tiens, une brindille. Comme ça, je vais pouvoir me faire ma pioche. Et puis, on va retourner à la maison pour se faire une épée aussi. Parce que là, elle est presque brisée. Donc, la pioche. Créer. On va se faire une épée en fer. Attendez. Je vais juste récupérer ça. Donc, je vais pas m'aventurer là dans le campement. Là, du fer. Attendez. Parce que là, il y a une bestiole et j'ai pas envie qu'elle me défonce. On va essayer de rester en vie quand même. Hop, les arbres qui se réinitialisent. Un petit moment. Histoire de pas se faire défoncer tout de suite. Il n'y avait pas du fer là dans le secteur? Si, là, il y en avait. Non, ça, c'est une bestiole.
On bouge pas, t'as les arbres à écrous, je sais pas encore à quoi ça sert du silex. Du fer, des brindilles, très bien. On veut tout ça, on veut tout ça. Hop, je prends. Histoire de se refaire un petit peu de stuff. Il va falloir que je construise un fourneau aussi, un fournal, des fourneaux. Toc. Hop, que je prenne ça, de la vis. Je suis sûr qu'il y a une bestiole qui est pas loin là. Non, c'est bon. Allez, je prends. J'ai un petit peu de fer dans mes coffres. Donc je vais pouvoir faire fondre quelques lingots. Ça, c'est bon à prendre aussi. Et voilà. Donc attention, je crois que mon épée elle va céder de toute façon. Attendez, juste, je m'échappe. Je m'échappe, je m'échappe. Si je peux l'esquiver, c'est ce que je vais faire. Toc. J'ai de quoi ramasser. Attendez. On va faire des récoltes. Ah mince! Mince, 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 mince. Voilà. Mais pourquoi? Ah, je suis pas dessus. Je suis pas dessus, je suis pas dessus. Voilà, je vais le dégommer. Je vais le dégommer, 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 coincé contre un mur. C'est bon. Hop, juste je ramasse ça. Il n'y a pas une recette avec? Non. Je m'en suis bien tiré, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Tiens, bah hop, ça tombe pile poil. Il y a des graines qui vont avec. Juste, je vais ramasser les écrous, on va faire la récolte de tout ça. Tiens, hop, les navets, ils nous intéressent. Toc, contre la faim, on va les replanter. Hop, donc les parterres, ça se fait avec. Il faut une pelle en plus pour pouvoir crafter tout ça. Mais voilà, ça se fait, par contre, ça prend de la place. Et on peut pas faire beaucoup de culture, donc est-ce que c'est avantageux? Oui et non, hein. Après, c'est en fonction de l'appréciation de chacun. Donc, c'est juste que je vais prendre tout ce qu'il me faut. Hop, ici, ça, les graines, les fraisiers, j'ai toujours pas su à quoi ça servait. Après, j'ai pas forcément regardé énormément. Toc. De la brindille, on en veut pour se fabriquer des outils. Et on va replanter du navet. Voilà, inventaire. J'ai tout ce qu'il me faut. Alors, juste, je récupère un petit peu d'énergie. Je remonte ma barre de faim. Il va falloir que je fasse un petit peu de rangement quand même. Fabriquer un fournal. Voilà ça. Allez. Donc on va tout mettre au même endroit. Autant que possible. Comme ça ce sera plus pratique. Allez, la nuit commence à tomber. C'est le crépuscule. Hop, qu'est-ce que j'ai ici? Ça c'est des fleurs de mana. Hein. C'est des roses. On va les laisser là. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ça, hop, du navet encore. Je vais le planter ici. Et c'est fait, j'en ai plus besoin du reste. Attends, bah attends. Une épée. Une épée. Alors, je pourrais prendre une épée en pierre. Mais il va falloir de toute façon qu'on agrandisse cette maison. Donc, par l'arrière, je pense. C'est ce qu'on va faire. Et ce qu'il nous faudrait, ce serait un fourneau. Mais pour l'instant, la maison n'est pas assez grande. Donc, je vais me faire une épée en pierre. Quoique. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un fourneau? Pour faire un fourneau, il nous faudrait. Il nous faudrait, il nous faudrait. 6 pierres. 6 pierres et 4 de fer. Les pierres, je vais en avoir ici, non? Dis-moi que j'ai de la pierre. Oui, j'ai de la pierre. On va en faire un. On va en faire un. C'est juste que je vais me débrouiller. Le sapin de Noël, il nous embête un peu, hein. Il nous embête un peu le sapin, donc attendez, est-ce que j'ai mon marteau sur moi? Non. Est-ce que j'ai un marteau dans mon coffre? Oui. Ici. Par contre, j'ai pas beaucoup de place, donc on va en faire. Ça, juste je le range. Ça aussi, le silex, je le garde sur moi. Ça, c'est mis de côté. Tac, tac, tac. Boule de neige, tout ça. Hop, je range. Les vis, il me semblait en avoir ramassé. Ici aussi, ça prend de la place pour rien. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est tout ce qui est utilitaire. Je le prends avec moi. Toc. Pour pouvoir construire les pierres, je les prends avec moi pour pouvoir construire aussi. Tiens, ça. Est-ce qu'avec ça, je remplis? Oui! Ok, c'est plus efficace. Donc, l'huile. Manger un petit morceau pour remonter la barre de faim. C'est toujours bon à avoir. Sur soi, toc toc, et les graines, je pense que je vais pouvoir les ranger. Les arbres aussi, les arbres, je vais pouvoir les planter. Pareil, ça de même. Ça, je récupère.
Ça, je le planterai. Je vais faire un autre parterre. Donc, construire une pelle. Du bois, je peux le mettre de côté ici. Et l'huile, bah, je vais d'abord utiliser tous ces trucs-là, là. Comment ça s'appelle? Les trucs de slime, le mucus. Avant d'utiliser l'huile qui est un petit peu plus rare. Et on va faire un fourneau. On va se débarrasser de l'arbre de Noël. Il va pas vouloir aller à côté à cause du lit. Donc ça, c'est juste que je m'en débarrasse. Il y a moins de lumière, mais c'est pas grave. Et on va construire ce qu'il faut pour pouvoir se crafter du matériel en ferraille. Comme ça, on sera bien. La tête du bonhomme de neige, je l'ai jamais fait. Alors, créer. Toc. On va le placer au bon endroit. Parce que ce sera un petit peu plus utile. Il me semblait bien qu'il n'était pas dans le bon sens. Un fournal. Et à partir de là, on va faire des lingots. Toc. Lingots de fer. On va en créer quelques-uns, au moins 6. Et à partir de là, on a ce qu'il faut. Non. Ah, il faut peut-être une enclume. Il faut peut-être une enclume pour se faire une épée en fer, armure en fer, tout ça, épée en fer. Voilà, une enclume. Donc l'enclume, on va la créer avec des lingots de fer, sans doute, et puis de la pierre. De mémoire, c'est un truc comme ça. Non seulement des lingots de fer, donc on va s'en créer une. On va placer à côté du fourneau. Alors attendez, par contre, je vais plus pouvoir rentrer dans mon lit, moi. Je vais déplacer l'établi. Je vais juste déplacer l'établi pour pouvoir faire une petite place. Voilà, toc. Ici, d'un cran. Sinon, je pourrais plus considérer mon lit, là. Je pourrais plus le considérer comme un point de spawn. Enfin, si, toujours au début. Mais je pourrais plus accéder à la tête pour pouvoir valider l'action. Hop, ça, l'enclame, le fournal, l'enclame, et donc on avait dit une nouvelle épée parce que c'est le bordel. Et il me faut un bâton et 3 lingots de fer. Alors attends, on va en construire d'autres. Oui, je sais, c'est sombre. Ah, j'ai plus assez de fer. J'ai plus assez de fer. À la fois c'est sombre, mais ce que je peux faire, c'est ça. Voilà. Ouais, ça pousse plus vite. Regardez là, les navets et tout ça dans les parterres. Donc on va peut-être agrandir ça, ce jardin. J'ai plus assez de fer. Si je sors, je vais me faire harceler par les monstres. Je vais manger un morceau juste pour récupérer. Mais j'ai plus d'épée du tout. Je vais me faire une épée en pierre en attendant. Parce que c'est toujours mieux que rien. Ça m'évitera de rester les mains vides. En cas de danger, elle vient ici. Toc, toc. Voilà, au moins j'ai de quoi me défendre. Mon arc il tient le coup encore. Oui, mon arc il tient le coup. Par contre, j'ai plus beaucoup de flèches. Je vais attendre un peu parce que vu que j'ai pas beaucoup de pierres ici, je vais les économiser. Hop, on va remplir la lampe. Encore une fois. Et notre objectif, c'est quand même de récolter encore du fer. Et le jour se lève, c'est parfait. Toc. Donc on va continuer notre récolte. On va toi. Si t'as un truc à me donner, c'est maintenant. Comme j'ai pris du niveau, il me donne moins de... de recipe. Hein. Donc il nous faut du fer. Voilà, il y en a juste en haut. Avec du silex, ce qui plus est. Donc c'est toujours bon à prendre. Il y a ça aussi. Tu sens la vilaine bête qui est pas loin? On se fait peut-être moins harceler que... qu'il y a quelques épisodes dans la zone. Bah ça c'est le fait d'avoir pris du grade, je pense. Quoique, ça se trouve ça veut rien dire du tout. Allez go. Toi, viens là. Allez, que je te dégomme. Petit mucus. Voilà. Ici, là-bas, du fer encore. On va se recrafter une armure, elle commence à être usée. Hein, j'ai cru voir ça. Ouais, l'armure commence à être usée. De toute façon, hop, on est là. On va reprendre du bois aussi autant que possible. Donc je vais essayer d'attaquer les arbres qui sont matures. Ouais, il y a du fer, c'est beau ça. Il y a tout ce qu'il nous faut. Le tantal, hein, le tantal. Et je me demande s'il y a des crafts d'outils en...
d'outils en fer parce que j'en ai pas eu, j'en ai pas obtenu. Pas encore, ou alors j'ai mal vu. Attendez, je vérifie quand même. Outils. Non, voilà, hache en tantale, mais non, j'ai pas eu de... Ça, c'est en pierre. Hein. C'est si, il n'y a même pas. En placement, il y a... Ah non, il n'y a pas outils en... Non, c'est... Non, mais il n'y a pas d'outils en pierre, etc. Non, non, j'ai pas réussi à extraire le tantale encore. Je vais essayer une nouvelle fois, mais j'y crois pas trop. Oh, il y a du silex ici. Là-bas aussi. Toujours précieux le silex. Oh, elle m'a vu. Oh, purée. Ouais, si je peux le bloquer. Au corps à corps, ça le fait, ça. Je peux les dégommer. Allez, donne-moi une recette. Que dalle. Par contre, si on va essayer de creuser ça. Mais j'y crois pas trop. Allez, vas-y, creuse. On va voir si ça me donne quelque chose ou pas du tout. Mais je pense que la pioche, elle va casser avant que je puisse récolter quoi que ce soit. Parce que c'est comme ça que ça le fait. Et j'en ai gaspillé 3 des pioches comme ça. Et jamais je suis parvenu à récolter un seul cristal de tantale. Donc, il doit y avoir une astuce, mais je vois pas du tout laquelle. Mais c'est histoire de vous montrer au moins. Voilà. Et donc, on va en fabriquer une autre pioche. Combien il en faudrait? Oh non, pas toi. Il m'embête pas. Je vais quand même essayer. Quitte en utiliser 3 ou 4. Hein. Oui, passe. Voilà. Voilà, t'es immobilisé. Hop, petit coup spécial. Je me protège. Voilà, je l'ai eu. Oh là, mais ils sont nombreux là autour de moi. Et j'ai pas pris de comme soigner. Ah non, j'ai pas pris de comme soigner. Alors attendez. Si je peux esquiver le vilain là. On va quand même essayer de récolter quelque chose. Purée. Et puis alors là, je vais pas survivre. Quoique. Mais non! Il a considéré que j'avais mon arc. Bref. Bah écoutez, on va juste récupérer un petit peu de santé. Puis alors, j'ai plus rien. Si, j'ai de la guimauve un peu. Mais je vais la conserver. Tiens, bref, ça a encore poussé ici. Ah si, ça pousse vachement vite en fait. Il faudrait presque que je déplace mes arbres et que je continue mon parterre. Je voulais faire des barrières aussi. Ah, par contre, on est envahi par les bestioles. Ouais, je crois que. On va peut-être faire de. On va agrandir la maison. On va agrandir la maison. Je vais déraciner ces arbres-là. Et du coup, ce qui serait sympa. Je vais déraciner là, les arbres. Bon, le tantale, on verra plus tard. Purée, ils sont partout, ces bestioles-là. Il va me voir. Il m'a pas vu. Après, je pourrais le défoncer. Allez, hop, viens là. Mince. Voilà, ici, je me protège. Viens là. Ah, il y en a un autre. C'est pas possible. Bon, juste, je vais ramasser. Bah, si, c'est possible. Avec la carte kiwi. Allez, viens là. Oh, je me laisse taper. Bah, je me laisse taper, je réapparais. C'est pas grave. Ouais, et puis l'autre, elle me voit au travers la maison, c'est n'importe quoi. Sincèrement, il y a des trucs qui sont pas au petit. Bon, c'est pas grave, on en veut pas. Tiens, vas-y. Récupère. On va faire un petit peu de rangement. L'autre, on va aller l'éclater. De toute façon, si jamais je meurs, je réapparais ici, je serai safe. On va aller l'éclater, ce truc-là. Mais on va se mettre bien, poser. C'est un petit épisode un petit peu plus tranquille. Enfin, tranquille. Vu l'hostilité qu'il y a autour du bâtiment, c'est pas si tranquille que ça. Et là, je récupère juste mes HP. Et puis, on va aller se charger là de défoncer les vilaines bêtes. Hop, juste... Hop, il m'en faut 10 de bois.
Donc le fer, j'en ai un petit peu plus. Ça, c'est pour ma lampe. Bon, on verra plus tard. Attends. Je vais ramasser ce qu'il faut. C'est bon, il est parti, lui? Ah non, il est pas parti. Il m'en veut toujours. Les roses de glace. Les écrous. Donc je suppose que ça va me servir un petit peu plus tard. Je sais pas à quoi ça sert encore. Mais on verra ça au fur et à mesure qu'on avancera dans l'aventure. Toc. Bah, attendez, les arbres, je vais les prendre avec moi. Le marteau, je peux le ranger pour le moment. Ça, les graines également. Ça, je prends. Manger un petit peu. Récupérer de la faim. L'autre, il m'a foutu la paix. C'est juste que là, la bestiole, là, j'ai envie d'aller m'en charger. De toute façon, elle devrait venir me voir, regardez. Allez, viens. Allez, viens, viens, viens. Viens là, je vais me dégommer, là. Tu m'as saoulé. Voilà, pas de recette, juste un écrou. Des brindilles. Toujours bon à prendre les brindilles. Toc. Pour construire des outils, on a vu que, bah, hey, on en avait besoin. Le tantal, j'aimerais bien essayer d'en avoir quand même. Hop. Mais s'il faut utiliser 15 000 ressources, tiens. Il n'y a plus rien là, j'ai plus de graines. Ça s'est réinitialisé, c'est pas très grave. Je reprends, planterai tout ça plus tard. Donc lui, on va le laisser tranquille. Le mucus, on va le dégommer. Je vais récupérer du fer quand même parce que notre objectif, ça reste la confection d'une armure et d'une épée en fer. Et on récupère tout ça. Ah, on se remet bien. Allez, encore. J'ai l'impression que ça repop les minerais. Mais c'est peut-être juste une idée. Une idée reçue. Allez, go. Alors, on s'est pas baladé des masses. Hein. Pourtant, il y a des emplacements là sur la map qu'on pourrait aller visiter. Voilà, attendez. Et où ils sont, où mes cristaux? Ils étaient là-haut. Vous voyez, hein, au niveau de la map, il y a encore à visiter. Hop, il y en a qu'une qui m'a vu. Voilà, c'est bon. Voilà. Et toi, je te dégomme. Hop, alors attendez, comment ça fait ça? C'est pénible. Ah, mais spam. Ah, purée! Bon, c'est pas grave. Je récupère, il fait nuit, j'ai le temps. Ce qu'il y a, c'est que ça me bouffe tout mon bois, là. En attendant. Viens, vas-y, éclaire tout ça. Ah, ils sont chauds, hein. Je vais manger un petit peu d'herbe. Ça va me permettre de régénérer. Ils sont hyper chauds, les salauds. Et attends, juste, est-ce que je peux ranger ça? Bon, c'est pas grave si je récupère pas la totalité de ma vie, mais... Bon, on va faire avec. Hein. Donc, juste, je me rapproche un petit peu du feu. Si, je devrais pouvoir récupérer. Je suis à 60%, j'ai du mana. Je peux encore utiliser mes pouvoirs. Mon épée en pierre, elle est pas tout à fait usée. De toute façon, je vais pouvoir en fabriquer. Bah, remarquez, je pourrais... Ouais, je vais mettre du... Je vais fabriquer quelques lingots de fer. Je vais me refaire une armure. Dans un premier temps, lingots de fer, tu m'en fabriques autant que possible. On va dire 6. Et mon armure, j'en suis où avec mon armure? Ah bah elle est cassée mon armure, bah c'est pour ça. C'est pour ça que je prends du dégât. Alors armure en fer. Il me faut du tissu. Il me faut 4 lingots de fer et je les ai pas. J'en ai pas un de côté, un lingot de fer. Et du tissu, j'en ai plus. J'en ai 3. J'ai plus de tissu. Il va falloir que j'aille tuer de la bestiole. Bon, on va aller tuer de la bestiole, hein, j'ai envie de te dire. Donc, récolter encore un petit peu de fer. Et tuer de la bestiole. Mais ça, je sais où il y en a de la bestiole. On va s'aventurer dans les... On va s'aventurer dans la neige. Et ici, il n'y a pas de cauchemars. Ils sont plus là, les cauchemars. Oh, viens là, toi. Oh, mince, 2. Là, j'ai gagné le gros lot, je pense. Hop. J'ai essayé d'en immobiliser une.
Allez, viens là. Mince! C'est hyper chaud, mais au moins elles vont me laisser tranquille maintenant. Vas-y, un petit feu encore. Oh non! J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Mais bon, c'est pas grave. Si, j'y arriverai, mais... je me fais harceler, là. On parlait de bestioles, faudrait que je meure une nouvelle fois. Ou que je me TP. Si j'arrive à me TP, normalement, ils devraient me foutre la paix. Bah, ils font le tour du baraquement. On va aller faire un tour ailleurs. Hein. Ah, là, il y a l'autre qui est ici et tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Je crois que j'ai pas placé ma maison au meilleur des endroits. Bah, après, j'ai mon arc. Hein. Hop. Mais vas-y, dégage. Dégage. Attends. Mince. C'est que ça me demande des ressources à chaque fois là de me soigner. Puis alors j'ai rien. Si j'ai de la guimauve. Elle est où ma guimauve? Tiens bah prends ça. Ça va accélérer le processus. Oh bah non mais si l'autre ici mais aussi là ils sont trois. Ça va pas le faire, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Faudrait que presque je fasse un trou dans le mur et puis que je trouve une nouvelle porte. Ce qu'il y a, c'est qu'ils vont en profiter pour entrer à l'intérieur. Faut que je les dégomme. Faut que je les dégomme. Ou alors, faut que je recharge le jeu. Allez, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire une ellipse et je vais recharger le jeu. Ça marche? À tout de suite. Non, mais ouais, voilà, là, parce que c'était pas gérable sinon. On triche, mais au moins on gagne. Hop. Non, ça allait pas être gérable sinon. Hop. Oh, il y a des astuces comme ça, tiens. Récupère un petit peu de guimauve. Replanter tout ça. Et nous, on voulait du tantal, hein, mais apparemment, c'est pas du goût. Voilà, forcément. Attends, bouge pas. Voilà, je vais la spammer. Allez, je vais la voir. Non, c'est elle qui m'a eu. C'est toujours la même histoire. Et puis alors, ça me coûte cher en ressources à chaque fois. Moi qui voulais récolter du bois pour agrandir justement cette maison, bah c'est chaud. Bon, après, on arrive à faire ce qu'il faut, mais bon. Puis on a la Reine des Neiges à défoncer. Ce qu'il y a, c'est que je veux avoir un meilleur équipement. Donc mon armure en tantal, une épée en tantal, etc. Pour pouvoir leur tenir tête. Il n'y en a pas ailleurs du tantal. Non, bah non, c'est en haut. Là, il y en a en bas. Ah, il y a des minerais, hein. Il y a du minerai. On pourrait essayer d'aller en chercher ailleurs. Bon, de toute façon, on va essayer de... Ah, déjà, de récolter encore à nouveau de la ferraille. On va agrandir notre maison. Hop. Tant qu'on peut survivre, bah écoute, on va le faire. Je vais juste récupérer un peu de bois également. Donc pas ces arbres-là parce qu'ils sont jeunes. Et vu qu'ils sont à proximité de la maison, ils pourraient m'être utiles. Je vais juste m'équiper de mon épée là parce que on sait jamais. Allez go, le petit mucus là, tu vas me donner une plaque d'huile. Me tape pas, hein, s'il te plaît. Puis alors ça me donne plus de recettes. Hein. Le tantal, juste, je vais prendre un petit peu de bois vu que j'en ai quand même consommé pas mal là. À vouloir survivre et me soigner contre les attaques des araignées mécaniques. Là-haut, on a dû faire tantal. Bah, forcément. Bah, attendez. Hop, voilà, on va t'attaquer. Voilà, voilà, on va la dégommer. Protège-toi. Voilà, c'est bon, c'est bien ça. Hop, le soin. Donc on avait attaqué cette petite, ce petit minerai là, ce petit gisement. Et quitte à user plusieurs pioches, on va quand même essayer de récolter un lingal des lingots. Vas-y, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec le singulier et les pluriels. Allez, je vais user ma pioche. Je vais en fabriquer une nouvelle. Hop. Une autre. Une autre. Et une autre.
Voilà. Pour voir si jamais on arrive à bout de ce gisement. Mais j'y crois pas trop. J'aimerais bien quand même que ça fasse effet à l'usure. Mais non, hein. Vous voyez, alors j'ai combien de pioches là? Une, deux, j'en ai deux autres de secours. Mais j'ai l'impression que ça va pas marcher. Comme s'il fallait une pioche en fer ou quelque chose pour pouvoir extraire le ce qui nous intéresse. Il y a un truc, hein. Allez, le tantal là. On en veut. Et après, il m'a pas proposé de... Oh non, mais pourquoi tu le fais exprès? Pourquoi? Pourquoi ce monde est-il injuste? J'en ai marre. Bon, on va bouger. On va faire autre chose. On va faire autre chose parce que là... Oh, j'ai plus de branchage. J'ai plus de brindilles. Ben non, j'ai tout utilisé, je suis bête. Justement pour faire des pioches. Bon, ça va, ça pousse à côté. Donc je vais pouvoir m'en récolter. Mais c'est pas facile, c'est pas aisé. Je vais me refaire une armure, de toute façon je vais me faire une armure. Ah bah non, c'est du tissu qu'il me faut. Je vais pouvoir me téléporter, on va essayer de se balader, on va se faire une petite mission d'infiltration, là vite fait. Bon, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. On va se faire une petite mission d'infiltration, on est 18h. Hop. Certains vous diront que c'est pas l'heure, mais bon. On va quand même s'y risquer. On a quand même du minerai à aller chercher. Hein. Hop, la pioche, on va l'user. On va tenter d'explorer là vers le haut. Là, hop. Bah lui, on va l'esquiver, donc on va aller pas taper dans le minerai qui est là. On va juste prendre celui-là. Et s'il y a personne, donc hop, on va se servir allègrement. Et peut-être qu'on aura une nouvelle recette. C'est ouais, de toute façon, moi, je pense qu'il y a moyen d'avoir une recette de pioche en fer, puisque il nous propose celle en tantal. Toi, je t'ai vu. Hop, voilà. Je te dégomme. Hop, protection, 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 protection. Mais je peux pas taper. Il me spam. Il m'avait coincé. Heureusement que j'ai ramassé du bois. Hein. Ça commence à être pénible d'en avoir à chaque fois là des sales bestioles qui pop. Tiens, je vais me nourrir un petit peu. On va y arriver, on va y arriver. On va aller se balader un petit peu, ça vous changera. Ça vous changera les yeux. Tiens, vas-y, récupère ça. De la faim, j'en mange trop des navets. C'est pas très grave. Bon, on insiste, hein. Tiens, hop, bah, mes arbres. Pourquoi j'en ai plus qu'un arbre ici? Je me souviens pas les avoir coupés. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je voulais les enlever. Oh non, 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 non. Elle m'a vu? Vous croyez qu'elle m'a vu? Elle m'a pas vu. Hop. On va agrandir tout ça. 21h58, c'est pas le moment d'aller se balader. Attendez, hop, on va faire ça. Donc on a dit que là, ça fait 3. Ça fait 3 et ça fait 2 et 2, 4. Alors attendez. Donc il m'en faudrait 10. Quantité 5, non. 10, créé. On va se faire une grande maison ici. Hop, fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Hop. Donc là, 1, 2. Ah, j'ai mal compté, il va m'en manquer 1, je pense. Toc. Toc. Ah, quoique. Voilà. Ici, agrandir tout ça. Et il m'en reste 4. Si, on est bon. Faut juste que j'enlève ce truc. Vas-y. Hop. Hop. Et on va refabriquer des murs derrière. Et comme ça, notre maison, elle aura pris... voilà. Je commande ça, je pourrais continuer à faire des parterres ici à ce niveau-là. Là, il m'en reste un. Je vais juste ranger ce qui nous intéresse. Tac. Parce que sinon, je vais être vite encombré. Tiens, je ne l'ai pas rangé d'ailleurs. On met ça là. De l'huile.
Le fer, je peux le conserver. Ça, je le mange. Toc, toc, toc. La pierre ici. Donc ça, c'est tout ce qui est utilitaire. Le lingot. On va le mettre à cet endroit. Mon épée en pierre, elle est toujours en état. Ça va encore. Ça, j'ai pu ramasser d'autres. Ça, je le mets de côté. Du bois, j'ai plus de bois. Bah non, j'ai plus de bois, j'ai tout utilisé. Il va falloir que je replante. J'avais des arbres. J'avais des arbres, oui, là, j'en ai 6. Donc je vais les replanter. Hop. À la lisière de la forêt. Et puis si ça peut me protéger un petit peu. Tiens, je vais juste les mettre là. Oh bah forcément! Viens là. Viens là. Ah, il m'a dégommé. Au moins, elle va me foutre la paix. Je vais pas y arriver, hein. Chaud, hein. Elle est morte à répétition, là, sur ce coup-là. Il me reste plus qu'une bûche. Donc, il faut absolument que je plante. Au moins, ça fait un petit peu de lumière, c'est l'avantage. Non, d'ailleurs, en parlant de lumière. Voilà. Bon, on va augmenter la surface de notre habitat. Ça pourra pas être néfaste. Heureusement que mon point de spawn est bien établi. On va partir en exploration ensuite. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Alors attendez que je regarde la map. C'est qu'il y a ça là, cette zone là, elle serait intéressante. Je sais pas, ça a l'air d'être un espèce de labyrinthe. Revenir à la lisière, peut-être que c'est ici que le tantal je pourrais le récupérer. Il doit y avoir moins de méchants. Bah après, c'est toujours une prise de risque. Je vais voir si l'autre il m'a lâché la grappe là. Hop. Ouais, c'est bon. Hop. C'est bon. Je vais pouvoir planter tout ça. Et aller en chercher d'autres. Parce que c'est ce qui nous intéresse. Du bois. Allez, hop. Petit bûcheronnage nocturne. Je laisse pousser parce que je vais en avoir besoin d'autres. Encore du minerai. J'entends une bestiole. Ah bah elle est juste là. Attends, bouge pas. On va essayer de l'esquiver. Ils sont partout. Ils sont partout. Je vais attendre qu'ils finissent sa ronde là. Bah forcément, il passe par là. Tiens, hop. Ça au passage. On va faire les malins, on va faire les malins. Je sais pas si on va faire les malins longtemps, mais on va faire les malins. Ça, je prends. Ça, je prends du minéral. Je prends aussi. On est où sur la map? Ah si, là, il y a moyen d'aller un petit peu sur la droite. Hop, je récupère hein, tout ce que je peux récupérer au passage. Puis on va vers l'inconnu. Le tantale, bah on a vu que c'était difficile à extraire. Je prends un peu de bois parce que j'en ai plus beaucoup. Tant que je peux, on en profite. Ouais, c'est une partie un petit peu plus cool. Enfin, il m'a vu, hein. On a vu qu'il m'avait vu. Voilà. Et voilà. Protège-toi. Eh, hey, il a dégommé mon bouclier. J'ai plus de bouclier, c'est ça? J'ai plus d'armure, j'ai plus de bouclier. Donc il va falloir en crafter, attendez. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Je vais m'en recrafter une armure en pierre. Quitte à laisser mes lingots ici, je vais m'en recrafter une épée en pierre. Ce qu'il y a, c'est que la pierre, il y en a pas énormément ici non plus. Hein. Et puis de toute façon, je peux pas me crafter une armure en pierre parce que j'ai plus de laine. Donc il va falloir que j'aille chercher des ressources. Je crois qu'on a passé assez de temps ici. Il y en a juste de la pierre, j'en range ici. Attendez, je vais juste quand même me faire un bouclier en pierre. Ah non, mon bouclier en fer, il tient le coup encore. Bon, c'est une armure en pierre, mais je vais pas pouvoir la faire, l'armure en pierre non plus. Il va me falloir du tissu. Je pense. Ah si, je peux. Ah, ok, d'accord. Donc, je vais m'équiper. Le bouclier en fer, j'ai envie de le laisser quand même sur place.
Je vais me faire un bouclier en pierre, ça devrait faire l'affaire. Je vais laisser tout le matos en fer ici. Ça, c'est pas un coffre. Voilà, ça, c'est un coffre. De toute façon, j'ai plus grand-chose. Et hop, bouclier en pierre. Et puis, on va s'en aller d'ici. Hop! Hop! Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille à Maison de Todof. Voilà. On se souvient de cet endroit. Et on a peut-être des choses à récupérer ici aussi. Ah ouais, mais il y a toujours. Ah, mais oui, il y a toujours la reine là. C'est vrai qu'on a notre. On a notre maison qui est là. Est-ce qu'on n'aurait pas des choses à explorer plutôt? Bah, si, remarquez, on va explorer par ici. Allez, viens là, toi. Bon, tu viens pas, tant mieux. On récupère un petit peu de bois, un petit peu de brindilles. Bon, je suis un petit peu plus tranquille à cet endroit-là qu'au niveau du mur. Et puis, à mon avis, c'est là qu'il faut dégommer des ennemis pour avoir des nouveaux crafts. Vas-y, prends de la recette. Je pense que là, on peut tenter de. Parce que j'en ai pas dégommé tant que ça des ennemis à cet endroit-là. Tiens, un diamant encore. Je sais pas à quoi ils servent, mais ils vont servir, c'est assez sûr. On a vu la bestiole qui était juste en dessous. Elle vient la petite escargot. Hop, je te dégomme. Voilà. Et file-moi des recettes. Moi, je veux des recettes. Je t'ai vu. Bon, de la bave d'escargot. Vas-y, je veux de la recette. Tape. Voilà. Bon, attention. On a vu qu'il était vénère. Normalement, je pourrais le finir là. File des recettes. Plutôt que de la bave d'escargot, de la chair d'escargot. Moi, je veux obtenir des trucs. Hein. Je veux obtenir peut-être qu'ici. Regardez, il y a des. Mais il y a des. Il y a des coffres là. Où est-ce que. Attendez, où est-ce qu'ils sont? Il y a des coffres. Il y a des coffres dans de la glace. Oh, je peux pas faire un feu. Est-ce que si je fais un feu de camp, ça peut faire fondre le truc? Ah, est-ce que ce serait pas malin ça? Non. Ah si! Ça marche! Yes! Ah, j'ai récupéré quoi? Du fer. Oh, mais attends, c'est trop bien. J'ai pas mon marteau. Attendez, je vais construire un marteau. Un marteau. Comme ça, je peux récupérer mon feu de bois. Enfin, j'espère. Il est où mon marteau? Je viens de construire un marteau là, on est d'accord? Non? Apparemment non. Mince, j'y ai cru. Bon, c'est pas grave. Je vais juste recouper un peu de bois, comme ça j'en aurai de côté. Ah, mais on va pouvoir récupérer le contenu des coffres. Donc du coup, on aura peut-être des surprises. Ça, c'est bien. On va chercher les coffres. Allez, à chasse au trésor et tout ça. J'ai cru en voir un autre en haut. Donc voilà, il y en a un autre là-haut. Attendez, on va tuer l'escargot. Les escargots, tiens, hop. Viens là. Toc, tape une fois. Hop, là il se vénère. Il se vénère, toc. Hop, attention. On va pas les deux. Ah si, les deux. Pour en fait exprès. Je me protège. Voilà. Et normalement, là je peux les dégommer. Voilà, c'est bon. On s'en est bien sorti, mais c'était moins une. Juste, je vais reprendre un petit peu de bois parce que je vais refaire du feu, donc je vais en avoir besoin. C'est les brindilles aussi qu'il faut que je ramasse. Vous voyez, c'est tranquille hein, quand même. Il est où le coffre? Je suis un peu loin. Oh, de la pierre. Attendez, parce que la pierre, on en manque un peu. Donc je vais saisir l'occasion d'en ramasser. Là, regardez-moi ça. Hop, craft. Le petit feu de bois. Feu de camp, créer. Inventaire. On prend. Non. C'était un clic droit qu'il fallait que je fasse. Voilà, c'est ça. J'ai pas fait de marteau. Au pire, c'est pas très grave, ça va prendre de la place. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça?
Ça, c'est un escargot. Il m'a vu. Il m'a vu. Voilà, je l'ai immobilisé. Mais si je le tape pas, ça va pas le faire. Attention. Reviens. Reviens, petit escargot. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai ramassé? Level up. Level up. C'est quoi? Nuage peut se remplir de carburant. Oh! Trop bien! Ah, c'est plein de surprises, un nuage magique comme dans Dragon Ball. Trop bien! Alors, en parlant de carburant d'ailleurs, j'en ai plus là. Ma lampe elle va s'éteindre. Ma lampe va s'éteindre, ça va être chaud. Par contre, je viens de passer un niveau. Le 25. Est-ce que je peux pas augmenter là? Je peux plus. Ah si, mon bouclier, tiens, je peux l'augmenter. 3. Ah, mais j'ai des compétences à foison. Là, les flèches peuvent faire mal. 4. Appliquer. Ah, bah oui. Donc, mon bouclier, je peux mieux me protéger grâce à mon bouclier. Tiens, attends, le feu de camp. On va en profiter pour récupérer un petit peu de santé. La nuit, elle va tomber. J'ai plus de carburant. Je vais être obligé de vous faire une ellipse. Je pense pour récupérer de la vie. Hop. Hop. Ça, je prends la faim. On va lutter contre, il va faire nuit. Et j'ai pas de pierre de téléportation. Elle est où la carte? Elle est là-bas, là il y a la maison de machin là. On peut s'y rendre vite fait. On peut s'y rendre vite fait, mais en fait non. Bon, avec la carte. Allez, avec la carte, on va essayer de d'avancer jusqu'à ma maison. Alors je dois être coursé, hein. Je dois être coursé. Là, on a un autre coffre. Je dois être bloqué. Ici, on s'aide de la map pour progresser. Et j'espère que j'ai de la lumière là, pas trop loin. Oh, je dois être coincé. J'ai du mal à progresser. J'espère que je suis pas blessé. Ah là là, j'entends des trucs. Oh, ça me tape dessus. Faut que je continue tout droit. Oh, ça me tape. Ah bah, je vais réapparaître dans la baraque en bas. C'est pas grave, on va se TP. Juste récupérer un petit peu de santé, c'est pas grave. Au moins, vous aurez pas eu un black screen. On a un nuage! On n'aura pas tout perdu. Et ça c'est plutôt bien. Et je vais pouvoir replanter des arbres ici. Ah, et puis j'ai 10 lingots de fer. Et donc ça c'est cool. Et je vais pouvoir en faire fondre davantage. Mais de toute façon, on va aller à une autre maison. On va partir, on va explorer la zone. J'ai un nuage. Mais j'ai un nuage, les gars. Je vais prendre du carburant, on va aller se faire un tour de nuage. Attendez, déjà je vais planter les arbres là si je peux, sans me faire dégommer. J'ai un nuage magique. C'est trop bien ça. Je plante ça, je l'ai vu la bestiole. Hein. Et lui aussi je l'ai vu. Tiens. On va plante ça là. J'ai vu la bestiole. On va prendre du carburant. Là, au moins pour la lampe. On n'est plus embêté par les cauchemars. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Toc. Voilà la lampe. Il y a du carburant à nouveau. Tiens le fer. Il y a ce qu'il faut aussi. Attendez, mais je peux me faire une épée en fer, du coup. Puisque j'ai l'enclume ici. Attends, bouge pas. Épée en fer, c'est gérable? Ou c'est pas gérable? Il me faut un bâton, mais ça se fait aisément. Déjà, l'épée en fer, c'est le bonus. Créer. Et c'est l'armure que je peux pas faire. Parce qu'il me faut. Toc, il va me falloir. Voilà, un bout de tissu. On va aller chercher. Et il va faire jour. Superbe. Juste, est-ce que je ferais pas un petit peu de rangement vite fait? Parce qu'il y a des choses dont j'ai pas besoin. On va utiliser le nuage magique. On a un nuage magique. C'est trop bien, c'est trop fort. Juste, non, le fer, je vais le garder sur moi. Je peux en avoir besoin.
Alors, on commence à avoir pas mal de minerais de côté. La pierre aussi. Ça, le diamant. Je vais en ranger un ici. J'en ai un autre ailleurs. Je sais pas où je l'ai rangé l'autre. Mais je l'ai rangé. Et juste le truc d'escargot, c'est pareil. Je le mets de côté parce que là, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Et j'ai plus rien pour. J'ai plus de quoi bouffer. Prendre quelques herbes ici. Ça commence à manquer. Tac. Tac. À chaque fois. Nuage magique. Attendez, nuage magique. J'ai du carburant. Et vas-y, nuage magique. Ah yes. Et du coup. Ah bah du coup, vous allez me foutre la paix. Nuage magique. On va explorer. Donc on a tout ça là, cette zone-là. Voilà. Donc on a un campement ennemi. Ah, j'ai bien fait de passer par là, super. Donc ils vont me suivre. Là, par là, on a quoi? On a une espèce de labyrinthe ici, là. Ah, c'est pratique. Donc, je sais pas ce que c'est. On a une espèce de structure. Attendez, on va aller dedans. Oh là, il y a des pics. Oh, ça a l'air d'être. Oh, c'est du poison. D'accord. Donc, c'est à ça qu'il va servir le masque à gaz. Ah mince. Ça, c'est quoi? Attendez. Je récupère juste un peu de santé. De la faim, ça me fait baisser ma faim. Moi, j'ai encore mon nuage magique, je vais juste le mettre ici. En barre rapide, je suis empoisonné. J'essaye de me soigner. Est-ce que ça va passer? Ce serait bien que ça passe. Ça passe. Donc j'en suis où moi dans cette histoire? Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Attendez, parce que là, il y a des pics. Ok, là je peux pas passer, j'ai pas la clé. Oh c'est chaud. On va s'en aller d'ici. Hop, lui il m'a pas vu, il m'a pas vu. Oh je vais juste prendre un petit peu de minerai de fer au passage. Ok, je vais me soigner aussi. Oh, si je fais deux trucs à la fois, ça va pas le faire. Hop, attends. Non, je m'en vais, je m'en vais. Ah, oh, tiens. Hop. Hop, hop, faut pas lui laisser deux répits. Ah non, 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 pas l'autre en bas. Je prends juste ça. Hop, un peu de bois. C'est cool. Mon nuage magique, je crois que je vais le réutiliser parce qu'il est bien pratique. Nuage magique. J'ai plus rien pour me soigner. Nuage magique. Je vais aller juste dans quelle direction? Allez, on va par là, vers le haut. Foutez-moi le camp. Nuage magique, trop bien, nuage magique. Hop, on va explorer un petit peu. Un petit peu la zone, attendez. On va faire le tour. Hop, on va suivre juste le chemin là qui est ici. On va continuer, on va d'explorer là le gros bâtiment. Pour savoir ce que c'est, faire le tour. Qu'est-ce que c'est que cette structure? Il y a forcément quelque chose en son centre qui doit être intéressant. Mais c'est bien, ça veut dire que c'est la Reine des Neiges. On n'est pas obligé de se la coltiner. C'est pas la quête principale. Enfin, si, ça doit être la quête principale. Mais c'est pas la fin. Vas-y, bah, t'as qu'à me taper, toi, je te dirai rien. Et on avait vu que ça avait bousillé mon nuage magique, là, le poison. Ok, là je peux pas passer, là non plus. Oh là, il y a des nouveaux monstres. Attendez, si je peux l'immobiliser. Oh mince, dommage. Il y a des nouveaux monstres. C'est cool. C'est cool, au moins il y a du nouveau. Il faut que je fabrique des murs pour pouvoir agrandir là ma maison. Et qu'est-ce qu'on n'a pas visité encore? Déjà, on aura fait un grand tour ici. Est-ce qu'il y a des zones? D'accord, ok. Et là, il y a toute une zone, à mon avis, bon, ouais, qui est pas très intéressante. Et là, il y a tout plein de trucs aussi qu'on n'a pas vu. Attendez, hop. Il y a tout plein de trucs qu'on n'a pas vu, donc je serais d'avis d'aller voir. Allez, hop, nuage magique. J'ai du carburant. J'ai du carburant, un tout petit peu. Nuage magique.
Ferme la porte. Nuage magique. Allez hop, c'est parti. On va tout droit. Et là on a quoi? Ah, on a du vilain. On s'est fait tirer dessus. Nuage magique. Donc là, cette zone là, on y revient. Et là on va visiter ce qu'il y a dans le secteur. On va faire les curieux. Allez, exploration. Si on peut faire les contours de la zone, là, c'est déjà pas mal. Oh, il y en a partout, hein. Il y a vraiment de la sale bestiole dans tous les coins. Bon, la nuit commence à tomber, mais ça, ça me fait pas peur. Hop, donc là, on a un campement adverse. Ici, voilà, c'est ici que ça m'intéresse. On va voir ce qu'il y a. Ah, mais non! Nuage magique! Oh là là, de justesse! De justesse à la fois, si je regarde la map pendant que je me déplace, ça va pas aider. Donc là, c'est un petit peu plus safe hein, normalement. Oh, on a de quoi se déplacer, on a de la poule ici. Je préfère ces endroits-là. On est vraiment plus embêté par les cauchemars, ça c'est bien. On pourrait s'installer dans le coin, se mettre bien. Là, une petite maison, une baraque toute zen. On n'est pas loin de la grotte. Là, c'est un petit peu plus calme hein, dans cette zone. Mais on a trouvé un nuage magique, c'est trop bien. Un petit peu de pierre, donc là, ouais. Il va falloir qu'on puisse se poser quelque part. Il n'y a pas de nouvelles choses ici. On regarde hein, quand même. J'en profite pour explorer. Et ça va tellement plus vite. Ah mais on a trouvé l'item qu'il fallait. Tiens, il y a un loup-garou, non? Voilà, si, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, de toute façon, il va pas pouvoir me suivre longtemps. Yes. Ça, c'est cool. Ah, je crois qu'on est tombé sur une bestiole. C'est juste que j'en profite pour explorer la zone. Et on va dégager la map. Il n'y a rien qui apparaît, apparemment. Hop. Pas de bâtiment, que dalle. On aurait aimé un petit village supplémentaire, mais il doit y avoir moyen. De toute façon, cette reine là, il va falloir la dégommer. Bon, pas dans cet épisode, parce que la dernière fois, ça m'a suffi. Dans le prochain, sans doute. Mais je prendrai le temps, de toute façon, de jouer en off. Mais c'est le Tantal que j'aimerais vraiment pouvoir obtenir. Et puis dégommer là ces nouveaux monstres pour avoir de nouvelles recettes. Pour avoir de nouveaux crafts. Et à partir de là... réussir à avoir des outils et des armes beaucoup plus efficaces. Et mon nuage magique là qui va bientôt rendre l'âme à moins que carburant. Voilà, ça marche bien. Hop, il est plein. Et yes. Et juste, voilà, je vérifie la map. On va joindre les deux bouts. Donc voilà, on aura fait le tour. Yes. Ça c'est cool par contre. On aura tout exploré. Hop. Y a rien de plus. Y a pas un autre village. Attendez, je reviens par là parce que des fois que on aurait un chemin puis on n'aurait rien vu. Ah, par contre, ouais, ça passe au-dessus des trous et tout. Ah, c'est trop bien foutu. Ça, pour ça, c'est cool. Ah, le nuage magique, comment il fait le taf. Ouais, voilà, ok. On va continuer les explorations. Ah, bah si, tiens, des cauchemars. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas croisé. Là, juste, je vais suivre le chemin. Bah, remarque, comment veux-tu qu'il nous suive après? Le Tantal. Ah, mais on va se reposer quelque part, bien. Hein. Moi, je vous dis, je vais me refaire une petite maison quelque part. Avant le prochain épisode. Et puis, comme ça, on sera posé. Je vais faire de l'agriculture. Je vais faire tout ce qu'il faut. Allez, foutez-moi la paix, vous. Voilà, ok, on revient. Oh mince! Bon, c'est pas grave. Réapparaître. Hop, on va aller à Neigeville. Hop, Neigeville. Ici, petit nuage. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. À l'aisance. Ah, et puis il va falloir que j'aille chercher d'autres coffres du coup. C'est ça que je pourrais faire. On va se poser là dans la maison. Souvenez de la maison du début? C'est là où on s'était
le mieux sédentarisé. Ça, dans le secteur. Bougez pas, j'ai dû passer à côté, voilà. Et puis, on n'est pas loin des Gobelins, c'est là où on était le mieux. On avait le plus de ressources. Donc, je pense que, hop, je vais pouvoir m'arrêter ici. Bon, il se sera pas passé grand-chose dans cet épisode, quoique. On aura quand même trouvé quelques petits outils intéressants. Il va falloir que je me fasse aussi des fioles parce que j'étais vraiment pas stuffé. Le tantale, impossible de récolter tantale. Il va falloir que je trouve le moyen d'en récolter. D'une manière ou d'une autre, il doit y avoir un objet qui me permette de le faire. Peut-être une pioche en sucre, j'en sais rien. Allez savoir. Bref, moi je vais vous laisser là pour cet épisode. C'était voilà, c'était chill, c'était tranquille, c'était le repos. Bien qu'on se soit fait harceler par les vilaines bêtes là dès le début, ma maison est mal posée. Mais bon, il y en a partout et ça pop au hasard. Donc je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans votre futur. Allez, ciao, bye.